I be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, ben voilà, on a gagné, puis on a gagné encore un match, on a encore gagné. J'étais vraiment émotionné tout à l'heure devant le match et j'étais quand même dingue. Mais franchement, je te l'avais testé, c'est pas le meilleur match de vie. Franchement, c'est vraiment pas le meilleur match. Parce que vraiment, on a failli perdre. On est là, on fait n'importe quoi, on gagne 1-0, on ne joue plus, on essaye de faire des contres. En fait, on a peur de se faire prendre par contre-attaque et prendre un but. Et on commence à baisser le rythme du jeu. Et franchement, c'était vraiment pas très, c'était pas très joli à voir. Parce que avec ce 1-0, puisqu'on a troché tellement ce 1-0 qu'on voulait jouer tranquille, on voulait plus forcer parce que c'était trop dur. Et puis en fait, le problème, c'est que 1-0 avec Lyon, c'est dur que ça tient 1-0. Si vous forcez bien, vous arrêtez à égaliser, même peut-être gagner le match. Et puis là, on était à deux doigts de l'étroulement, de s'étrouler par terre et de dire c'est fini l'élimination en Coupe de France. Mais franchement, c'était un match, franchement, je n'ai pas le meilleur match, mais franchement, je dirais la vérité que c'est un match très nul de Lyon, parce qu'on jouait n'importe comment, on gagnait 1-0. Bon, même si Dembélé a marqué un très très beau but, franchement, Dembélé a marqué son le but qu'il fallait, mais le problème, c'est qu'après, Lyon, il donnait plus, ça jouait plus et tout, mais c'est ça le problème, parce qu'il joue et on a une défense en bois, même pas, je dirais même pas en bois, c'est une défense à l'eau, c'est à tout moment si vous forcez avec Lyon, c'est comme ça, ça passe, et vous pouvez même gagner le match facilement, parce que quand ils ont 1-0, 2-0, le match il est plié, alors qu'il faut toujours se battre pour lutter et tout, mais c'est vrai que là, moi je dirais que la première mi-temps était vraiment bien pour moi. Voilà, la première mi-temps, je dis qu'elle était vraiment géniale. Après, la deuxième mi-temps, c'était vraiment... C'était juste, quoi. C'était juste. Parce que franchement, je dis la vérité, moi, quand j'ai vu ce pénalty, je pense que Lyon ne méritait même pas ce pénalty. Et je pense même pas qu'il y ait le pénalty, puisque le joueur, il tombe. En fait, j'ai pas compris, j'ai même pas regardé le pénalty, j'ai pas compris. Je sais qu'Avoir, il a marqué le pénalty, mais... J'ai pas compris ce pénalty parce que le joueur il tombe. Je pense qu'il était même plus en jeu. Il n'y avait même pas de faute pour moi. Après, je sais pas. J'ai rien compris. Mais tout ce que c'est que l'arbitre a sifflé pénalty. Donc, s'il a sifflé pénalty, c'est que pour lui, il y avait pénalty. Après, je sais pas si vraiment il y avait pénalty. Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Ça m'a un peu semblé bizarre cette histoire. Mais bon, après. Voilà, on a gagné, mais franchement, là, c'était dans la douleur, puisque à un partout, on était à deux doigts de plier le match, de perdre contre Nice. Mais on a eu la chance, c'est le pénalty qui nous a sauvés, là, c'est le pénalty qui nous a sauvés la nuit. Mais franchement, le match, c'était en première mi-temps, on attaque, et encore, en deuxième mi-temps, en première mi-temps, c'était pas trop de temps. En deuxième mi-temps, c'était limite, on peut perdre le match en deuxième mi-temps, c'était sûr et certain. Et même en première mi-temps, c'était pas le meilleur match de Lyon, parce que ça jouait, mais bon, voilà, c'était un peu léger. Mais franchement, je tiens à vous dire, franchement, je fais une rose dédicace à tous les Marseillais. Bon, je sais que pour moi, vous allez venir de les bombarder. Le prochain match de Coupe de France, vous allez jouer contre nous, contre Lyon, et vous allez bombarder. Moi, je dis. Je ne me vante pas, vous n'allez pas commencer à dire que Marseille est plus fort et tout. Moi, je dis la vérité. Hein. Lyon, ils sont forts. Mais actuellement, je pense que Marseille, ils sont au-dessus de Lyon. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais si on fait le match qu'on a fait ce soir contre Marseille, c'est plié. Il vaut mieux que les joueurs ils jouent même pas, ce n'est même pas la peine. Il vaut mieux qu'on laisse tomber.
Mais si on passe Marseille, quand on gagne Marseille sur 1-0, 2-0, peut-être ça va se faire au pénalty, mais ça va être quand même très très dur entre Marseille et Lyon en Coupe de France, le prochain match de Coupe de France. Mais franchement, là je dis, Marseille, ils sont devant Lyon et je pense que. Pour moi, je dis arrêtez, je pense qu'on va perdre contre Marseille. Marseille, ils sont largement au-dessus de Lyon, ils sont très très motivés. Donc moi, je pense que ça, c'est sûr qu'on va perdre contre Marseille. Après, on verra bien ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer, parce que moi, je parle, mais j'aimerais que Lyon gagne même. Mais le problème, c'est que je parle de Lyon ou de Marseille, mais il y a un gros qui est toujours là, Paris est toujours là. Donc, quand Paris est toujours là, vous allez me dire Paris est toujours là, c'est pas bon, parce que si Paris est toujours là, ça veut dire qu'ils vont la gagner la Coupe de France, et encore, c'est pas sûr, je dis ça parce qu'ils ont vraiment un effectif très 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 costaud Paris, alors je pense que pour moi, ils devront gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, pour moi. Après, c'est peut-être la Ligue des Champions qui vont peut-être être éliminés quelque part, que ce soit en demi-finale, je sais quel niveau. Mais franchement, le match de Coupe de France, là, il était bien. Mais à Lyon, ils étaient pour moi moyens. Ils étaient 50 et encore, je dis 50, mais ils n'étaient pas très bons. Que le match qui était passé, là, l'autre match de Coupe de France, il était mieux que celui-là. Franchement, là, c'était mieux. Bon, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ma petite débrief de match. Et franchement, je suis content que Lyon ait gagné. Franchement, oui, je suis très, très, très content que Lyon ait gagné. Mais sur la douleur, comme vraiment on a gagné sur la douleur, ça c'est sûr. Mais on a gagné, on est toujours là en Coupe de France. Il faut que j'espère que Lyon va aller au moins en finale. Mais pour cela, il va falloir battre un Marseille très très costaud et très très prêt pour battre Lyon. Je pense que Marseille, je pense qu'ils vont nous battre. Mais bon, j'y crois toujours. Lyon peut-être va battre dans la revanche. Puisqu'ils nous ont battus, les Marseillais vous nous avez battus, mais c'est maintenant peut-être que c'est nous, on va vous battre. Bon, ben salut, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé mon petit débrief de fin de match. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y aura gagné, mais bon, Marseille, j'ai un peu peur. Je savais que le tirage au sort allait sortir sur Marseille. Je ne voulais pas Marseille, et ben voilà, maintenant je pense que la Coupe de France est finie pour nous. Marseille va nous piétiner. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être que je parle un peu trop. Mais si Marseille perd contre Lyon, je serai content, mais bon, s'il n'est pas, pour moi, ce sera la logique. Le meilleur gagne. Et pour moi, le meilleur, c'est pas Lyon, c'est Marseille. Allez, salut, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo assez rapide. Allez, salut les amis. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.